أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on vous présente cette petite vidéo qui va être en deux parties. La première sera une présentation des horaires de prière concernant le mois du Ramadan, mais toute l'année. Comme le mois du Ramadan approche, donc forcément cette question va revenir. Et donc notre objectif, c'est d'exposer la décision du CTIR. Donc les imams du Rhône ont pris une décision il y a quelques mois de cela concernant les horaires de prière, et en l'occurrence les prières du Fajr et les prières du Isha. Bien sûr, notre objectif dans cette vidéo n'est pas de polémiquer, de revenir sur cette question et de perturber les musulmans, mais simplement d'apporter des réponses claires pour détailler quelle a été la méthodologie de cette décision, sur quoi elle s'est basée. C'est essayer d'éclaircir sur ce point. Donc, dans un premier temps, je vais simplement, de manière superficielle, expliquer, et dans un second temps, pour ceux et celles qui veulent réellement connaître la méthodologie et la construction juridique au niveau du FIRC de cet avis, je vais procéder à une petite présentation avec des photos que nous avons prises et que je vais présenter cela. Donc je reviens sur la question. Donc jusqu'à présent, que ce soit en France ou bien en Europe, donc on parlait beaucoup des erreurs de prière. Et à chaque fois c'est que le mois du Ramadan approchait, donc on parlait soit du Hilal, du croissant lunaire, quand est-ce que le Ramadan va commencer, également la question des prières. Et on a vu que cela a provoqué beaucoup de polémiques au sein des musulmans et au sein des familles également. On voyait parfois certains continuer à manger alors que d'autres avaient déjà prié. Et donc forcément cette question a attiré l'attention du conseil des imams du Rhône. Et donc, nous avons travaillé sur cette question, exposé aux différents membres et d'associations et imams. Et ensuite, la décision a été adoptée. Je tiens tout d'abord à rappeler que ce travail n'était pas un travail pour aller à l'encontre de ce qui a été fait auparavant. Parce que on sait très bien, il y a eu des travaux vraiment de qualité qui ont été réalisés, même des observations dans le monde entier, que ce soit dans les pays musulmans ou même dans les pays occidentaux. Donc notre objectif n'est pas d'aller à l'encontre de tout cela, mais simplement d'apporter des précisions dans notre région, d'essayer d'observer est-ce que nos observations correspondent ou non avec ceux qui ont été déjà réalisés. Et dans la deuxième partie, donc, je vais exposer et expliquer justement le détail de cela. Et dans le calendrier que le CTIR donc a validé, on s'est essentiellement basé sur la vision. Donc on n'est pas parti à partir des degrés pour adopter le calendrier, mais plutôt c'est la vision qui a déterminé les degrés. Donc, au vu de plusieurs observations que nous avons réalisées, ce qui a été retenu, c'était 14,5 pour le Fajr et 13,5 pour la prière du Isha. Et donc, ceux qui vont consulter la page Facebook du CTR donc, pourront récupérer ce calendrier. Donc, je répète encore une fois, le travail que nous avons réalisé n'était pas d'aller à l'encontre et de semer, on va dire, le désordre dans la conscience des musulmans, mais plutôt les aider dans leur pratique. Donc, si on arrive à se mettre d'accord déjà dans une région sur un même calendrier, eh bien, ça va faciliter la pratique des musulmans. Donc, c'était la volonté première que nous voulions
réunir les différentes mosquées pour qu'ils puissent chacun avoir un calendrier commun. Et bien sûr, tout le monde était libre de l'accepter ou non. Donc, on n'impose rien du tout. On a simplement présenté le résultat de ces observations et donc, par pratiquement unanimité, cela a été validé pour tous les mosquées qui étaient présentes le jour de la réunion. Et donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ce travail-là et d'apporter l'unité à cette umma et que chacun puisse, inshallah, adorer Allah azza wa jal dans des bonnes conditions. Certes, les horaires de prière, c'est une question qui est importante parce que ça fait partie des conditions de la validité de la prière. Donc, si on ne prie pas à l'heure, donc forcément, ça va avoir des conséquences. Mais pour le musulman lambda, cette question ne se pose pas en réalité parce qu'il n'est pas tenu, lui, de connaître les détails de tout cela. Et donc, ce sont des organisations, des savants musulmans qui ont travaillé sur cette question, qui prennent les responsabilités. On ne va pas demander à chacun des musulmans de faire des observations et de travailler sur la question, que ça sera impossible. Mais c'est lui qui est en mesure de pouvoir le faire. Et donc, il pourrait bien sûr exposer son travail et que ceci peut être analysé. Donc, voilà ce qui a été réalisé durant plusieurs années et le résultat au final, donc 13,5 pour Salat al-Isha et 14,5 pour Salat al-Subh. Alors, qu'est-ce que cela représente au niveau du calendrier? Donc, si on prend la période la plus longue de l'année, donc ça fera à peu près pour Salat al-Isha un écart de plus de 1h40, environ 1h40 entre le Maghreb et Isha, donc c'est la période la plus longue de l'année, et il faudra rajouter donc un degré, donc une dizaine de minutes pour l'écart entre le Fajr et le lever du soleil. Et donc tous ces détails, vous pourrez avoir accès dans le calendrier et de connaître les horaires du Ramadan et du reste de l'année. Donc maintenant, je voudrais passer à la deuxième étape qui va concerner la présentation en détail de ce travail qui a été réalisé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, concernant ce travail, comme je viens de l'évoquer au début de la vidéo, donc a participé à l'observation plusieurs personnes. J'étais présent pratiquement dans toutes les observations. Les personnes qui étaient présentes avec moi, certains ont été une partie, d'autres plus souvent. Donc, au total, on a environ le témoignage de 10 personnes. Donc, 10 personnes ont pu témoigner de ce qu'ils ont pu voir lors de ces observations. Alors, on va commencer par donner juste quelques détails du lieu où on a réalisé ces observations. Tout d'abord, une information concernant la ville de Lyon. Donc, l'altitude de la ville de Lyon varie en fonction des lieux où vous trouvez. L'altitude la plus basse est à 170 mètres. Et Fourvière se trouve donc au point culminant qui est à peu près à 300 mètres d'altitude. Donc nous avons réalisé dans deux points. Le premier, c'est le mont Thou dans les monts lyonnais qui se trouve à 609 d'altitude. Et donc pourquoi on donne ces précisions? Parce que ce que vous allez observer dans une altitude qui est haute ne sera pas la même si vous observez de plus bas. Et donc, on a pris en considération, bien sûr, ces écarts-là. Et donc, on a à peu près 1 à 2 minutes tous les 200 mètres. Donc, cela veut dire que si on fait la différence entre la ville de Lyon et le mont Thou, donc on a à peu près donc ce 609 mètres moins 170, on aura à peu près 400 mètres de différence, et donc 400 mètres peut représenter jusqu'à 3 minutes d'écart. Donc, ce que vous allez pouvoir observer dans les monts du Lyonnais, si vous observez dans la ville plus bas, donc il peut avoir 3 minutes de différence, et bien sûr, ceci a été pris en considération dans l'élaboration du calendrier. Et le deuxième point, c'est Miribel, qui se trouve à 180 mètres d'altitude, et donc là, il n'y a pas besoin de faire un écart parce que l'altitude correspond à la ville de Lyon. Donc, ce sont les deux points que nous avons réalisés, ces différentes observations.
Au niveau de cette présentation, donc j'ai fait un plan pour que ça soit compréhensible. Donc je viens d'expliquer pourquoi cette vidéo. C'est parce que de nos jours, il y a plusieurs travaux qui circulent. Donc pour que les musulmans qui vivent dans la région lyonnaise puissent connaître sur quoi le Conseil des imams s'est-il basé pour réaliser ce calendrier. Donc l'objectif premier, c'est de présenter ce travail et non pas de polémiquer avec les autres calendriers qui se basent sur d'autres méthodes. Deuxième point, donc les applications jusqu'à présent, pourquoi ne pas les reprendre? Donc pourquoi on n'a pas repris les observations qui ont été réalisées depuis des siècles? On aura pu l'appliquer, donc pourquoi on l'a pas pris? Les latitudes et les signes distinctifs de la prière de Sobh Aïcha. Donc on verra tout à l'heure que on va séparer les régions en Europe. Ensuite, on va discuter de du Fajr. Qu'est-ce que le Fajr? Lorsque Dieu nous dit, c'est un Billah, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. Donc c'est quoi le Fajr? Les deux Fajr, on donnera l'explication. Peut-on continuer à manger et boire pendant le mois du Ramadan après le Fajr? Est-ce qu'il y a un avis dans ce sens? Dernier point, ça sera que prendre en considération dans le Fajr entre les lueurs blanches et les lueurs rouges qui sont présents sur l'horizon. Et ensuite, on passera donc aux analyses des observations. On prendra les photos que nous avons exposées ici dans ce travail et analyser et commenter ces différentes photos. Alors, en commençant par un petit rappel, en islam, comment on définit la prière du Subh et du Isha? Donc, le document que vous voyez donc a été repris d'Al Mawsu' Al Fiqhi Al Kuwaiti. Donc, c'est un encyclopédie de fiqh. Et dans cet ouvrage qui est reconnu, qui a été travaillé sur une dizaine d'années pour le réaliser, on définit la prière du Subh de la manière suivante. Donc, il dit « Point de divergence parmi les fuqaha pour affirmer que le début du temps de Subh commence par le Fajr As-Sadiq, c'est-à-dire le Fajr véridique. Donc, si on parle de Fajr véridique, ça veut dire qu'il y a un deuxième Fajr qui est Al-Kadib, qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, il y a deux Fajr et on prend le deuxième Fajr en considération pour dire que c'est le début de la prière et la fin du Sahur pour celui qui souhaite jeûner, et ceci avec unanimité. Donc, tous les savants sont d'accord sur ce point. Et concernant Salat al-Isha, donc je ne donne pas tous les détails, mais uniquement les points qui nous intéressent. Alors, pourquoi on parle uniquement de la prière du Subh du matin et du Isha? Parce que dans les calendriers, la divergence se situe justement sur le Fajr et sur le Isha. Quel degré prendre? Et on va expliquer à travers les différentes diapos, les degrés également. Et donc, une fois qu'on a parlé du temps du commencement de la prière du Subh, concernant le début de Salat al-Isha, donc là aussi, pour la majorité des savants, ils nous disent al-Shafaq wal-Humra, donc wa huwa madhhab al-Jumhur al-Fuqaha. Pour la majorité des savants, ils nous disent que le début du temps du Isha commence à partir de la disparition des lueurs rouges à l'horizon. Donc, une fois qu'il y a le coucher du soleil, donc vous avez le ciel qui est encore bleu, et lorsque vous attendez, vous allez avoir des lumières, des lueurs rouges sur l'horizon. Une fois que ces lueurs rouges disparaissent, donc commence le temps du Isha. Et pour Abu Hanifa, c'est la disparition des lueurs blanches qui viennent après les lueurs rouges. Mais nous, on va se baser dans ce travail que nous avons réalisé sur l'avis de la majorité, donc la disparition des lueurs rouges pour indiquer le début du temps du Isha. Alors, on avait parlé, donc une fois qu'on a vu sur le plan juridique dans le fiqh le début du temps de la prière du Subh et le début et la fin, plutôt le début du temps du Isha également, parce que la problématique dans cette question, on parle
du début du Fajr et du début du Isha. Quand est-ce que ça commence? Sur la fin de des temps de prière, il n'y a pas de discussion. Donc, on s'intéresse surtout au début de ces temps de prière. Alors, le Firq, donc, il nous a donné une définition. Par contre, lorsqu'on va appliquer ceci, selon les approches astronomiques, donc on va parler de degrés. C'est-à-dire lorsque vous voyez le lever du soleil ici dans l'image qui se trouve à gauche. Donc s'il y a le lever du soleil et de l'autre côté, donc nous avons le coucher du soleil. À quel degré le soleil doit-il se trouver en dessous de l'horizon pour indiquer le début de la prière de Sobh et la fin de la prière du Maghreb, donc le début de Salat al-Isha. Et donc, selon les définitions que nous avons données tout à l'heure, donc Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique, donc certains vont dire c'est à partir de 18 degrés. C'est à partir de 18 degrés lorsque le soleil sera en dessous de l'horizon à 18 degrés que ça sera le temps de la prière du Sobh. Et pour les Isha, ils vont dire, donc ceux qui se basent sur 18, donc ils vont dire 18, 17, donc ils vont être dans ces zones-là. Il y a eu d'autres approches également. Certains ont pris le 12 degrés. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à l'aube nautique, donc le Shafaq al-Bahari. Donc ici, on voit que ceux qui sont basés sur des visions ont pu constater, là je parle surtout des anciens, depuis des siècles, leurs observations correspondaient au degré 18. Et d'autres qui ont pris en considération les différentes aubes qui existent se sont basés sur 12 et d'autres sur 15 et ainsi de suite. Donc, essayez de comprendre que l'application de ce que le Firq nous dit, c'est son application qui a donné les degrés. Sinon, ce n'est pas les textes qui nous parlent de degrés. Le prophète, alayhi salatu wasalam, ou bien les fuqaha, les écoles juridiques par la suite, ils n'ont pas parlé de degrés. Les degrés, ce sont une conséquence des observations. L'application de ces observations, à quoi correspondent en degrés. Donc, c'est pourquoi on parle de ces degrés. Donc, forcément, plus vous descendez en degrés, plus l'écart entre le Maghrib et l'Isha et entre le Subh et le lever du soleil est plus important. Et plus le degré est faible, c'est-à-dire vous descendez 18, 16, 15, 14, 13, 12, donc plus le degré est moins, donc plus l'écart sera faible entre ces prières-là. Et donc, on a une question ici qu'on avait posée tout à l'heure, on la repose, c'est de dire les applications jusqu'à présent, pourquoi ne pas les reprendre? Ici, vous voyez un tableau où il y a des noms de savants. Et quand on dit savants, donc c'est des personnes qui sont également spécialistes dans le domaine de l'astronomie. Donc, on parle de l'an 317 de l'Égypte, l'an 376 de l'Égypte, 400, 500, 600. Donc, on voit les différents siècles, seront les différents siècles de l'histoire et pratiquement, ils étaient tous d'accord sur le 18, comme on peut voir pour les Isha et pour le Fajr. Également plus bas, on peut voir 17, 19. Et si on descend encore un peu, on peut voir 16, 20. En tout cas, on se trouve dans une tranche qui se rapproche plutôt des 18 degrés. Et ces personnes-là, bien sûr, ils étaient versés dans la science du Firq, mais également dans l'astronomie. Et donc, une des questions qui se posent, et bien sûr, ici, je tiens à préciser que ces personnes, lorsqu'elles ont réalisé leur observation, ça correspond au Fajr Sadiq. Donc, on ne parle pas du Fajr qui est faux, ce qu'on appelle en astronomie, donc astronomical pure light, mais plutôt zodiacal light. Donc, le zodiacal light, c'est le Fajr Sadiq, ce que le Firq nous donne comme définition, c'est-à-dire l'apparition des lueurs blanches sur l'horizon pour définir le début du temps de la prière du matin. Alors ici, on se pose la question, pourquoi les musulmans qui vivent en Europe n'ont-ils pas repris tous ces travaux qui ont été réalisés par des spécialistes et l'appliqué?
Pourquoi on est revenu à observer, pourquoi on est revenu à faire de nouveaux calculs et ainsi de suite. Alors, la réponse est simple. Si vous observez ici la carte du monde, vous allez constater que la plupart des pays musulmans se trouvent plus proches de l'équateur que les pays qui se trouvent en Europe. Donc, lorsque vous voyez donc l'Inde, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, les pays africains, le Nord-Afrique, la Turquie, se trouvent proches de l'équateur. Et quand vous appliquez ces degrés, en l'occurrence 18, 17, donc vous pouvez prier toute la nuit, toute l'année, pardon, sans aucun problème. C'est-à-dire que l'écart qui se trouve entre le Maghreb et l'Isha est raisonnable. C'est environ 1h30, donc ça dépend où vous vous trouvez. Donc, en tout cas, il n'y a pas un écart très important. Par contre, plus vous montez en altitude, plus vous êtes en Europe, au nord de l'Europe, plus l'écart va se creuser. Et quand l'écart se creuse, et lorsque vous allez appliquer ces degrés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à une période de l'année, le temps du Isha va être mélangé avec le temps du Subh. C'est-à-dire, pendant que j'attends l'entrée du temps de la prière du Isha, ça sera déjà le Subh. Donc, on voit que le Shafaq, c'est-à-dire le crépuscule, les lueurs rouges à l'horizon ne disparaissent pas. Alors que dans les pays qui se trouvent en dessous du 45e parallèle. Donc, si vous voyez le 45e parallèle, eh bien, Lyon se trouve dans le 45e parallèle. Donc, tous les pays qui se trouvent en dessous, donc c'est quasiment la totalité vers tous les pays musulmans. Et donc, les signes, ils sont les signes distinctifs. Donc, on parle de la disparition des lueurs rouges, l'apparition des lueurs blanches. Donc, tous ces signes distinctifs, on peut les observer. Et donc, comment on peut les observer? Donc, on peut appliquer ces degrés que ces grands musulmans savants du passé ont pu déterminer. Donc, c'est applicable. Mais lorsqu'on vient en Europe, et donc notre présence en Europe, surtout en France, en Allemagne, en Suède, Norvège, donc c'est assez récent. Donc, il y a 3 siècles de ça, il n'y avait pas de musulmans qui vivaient dans ces pays. Donc, cette question, elle est assez récente. Et donc, c'est parce qu'on ne peut pas appliquer ces degrés, et ça fait des écarts très importants, et tout à l'heure, vous verrez, je prendrai l'exemple de la France, qu'on est revenu donc à discuter sur ce sujet, pour dire ben, comment on peut trouver alors une solution. Donc, c'est la raison principale qui a conduit les musulmans, les savants, de revoir cette question, surtout pour les musulmans qui vivent en Europe et en Occident, ça peut être au Canada, parce qu'on voit que le Canada aussi se trouve au-dessus du 45e parallèle. Et à partir de là, en l'occurrence, le Conseil européen et d'autres instances de fatwa, le Conseil européen de la fatwa et de recherche, ont retraité cette question. Et ils ont divisé l'Europe en 3. Ils nous ont dit que toutes les régions, toutes les villes qui se trouvent en dessous du 45e parallèle, donc Lyon est en dessous, les signes sont présents. Et quand les signes sont présents, nous avons l'obligation de suivre ce que le Shara, ce que la législation musulmane nous dit. Et donc, on ne peut pas de faire des estimations dans les temps de prière. Donc, nous devons suivre les signes distinctifs. Donc, on devrait attendre la disparition des lueurs rouges pour prier les Isha et attendre l'apparition des lueurs blanches pour prier As-Subh. Deuxième, c'est entre le 48e et 66e. Donc, on peut introduire dans la première catégorie même les villes qui se trouvent en dessous du 48. Parce qu'en dessous du 48e parallèle, donc ça fait en dessous de Paris, toutes les villes qui se trouvent en dessous de Paris, en réalité, les signes, durant toute l'année, nous permettent de déterminer les horaires de prière. Et donc, quand les signes sont présents, donc on ne peut pas les délaisser. Délaisser, ça sera aller à l'encontre de ce que le Shara nous a dit. Sauf qu'entre 45 et 48, la seule problématique, c'est que durant la période estivale, le temps de richesse va être très tard. Et donc, comme ça va être très tard, est-ce que on peut trouver un allègement, une roursa dans le din pour essayer de faciliter les adorations des musulmans? Donc, ça, c'est une autre question
on va pas traiter ici. Donc on a dit 48 et en dessous, et plus précisément 45 et en dessous parce que c'est plus applicable. Ensuite 48 et 66, et donc 48 ça fait Paris et 66, donc vous allez voir c'est à peu près Norvège, Suède, la Finlande jusqu'à cette zone-là, et ensuite au-dessus des 66. Donc on va pas discuter au-dessus des 66 parce que c'est un cas particulier où dans certaines régions, donc il va faire donc surtout au pôle, donc 6 mois jour, 6 mois nuit. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le cas de la France pour que cette présentation, pour pas qu'on l'étale, on la détaille trop, pour pas trop sortir du sujet. Et donc dans le diapo suivant, j'ai pris uniquement la carte de la France pour l'expliquer. Donc ici, vous voyez l'avis du Conseil européen de la FETWA. Donc il dit Manteta al-Awwal, donc la première région, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il trouve en 45 et 48. Tatayam maz fihi al-alamat al-zahira. Donc il dit qu'on voit les signes distinctifs pour les awqat al-salat, pour accomplir les heures de prière fi 24 sa'a, dans les 24 heures, et durant toute l'année, il est possible de se baser sur les signes pour accomplir les prières. Ensuite, Mantiqa al-Thaniya, c'est la deuxième, donc c'est 48 à partir de Paris et au-dessus. Ici, il dit Watana adimu fiha ba'd al-alamat al-falikiyya. Il dit certaines, à une période de l'année, c'est pas durant toute l'année, mais à une période de l'année, ces signes distinctifs, donc les lueurs rouges et les lueurs blanches, ne disparaissent pas, ou bien s'entremêlent. Et tout à l'heure, on verra également ce que dit l'observation de l'Observatoire de Paris. Et durant une période, comme ces signes ne sont pas présents, et donc on va faire taqdir, c'est-à-dire on va estimer, pour Paris, ça peut être 15 jours, 20 jours, donc ça dépend, est-ce que vous êtes plus au nord ou plus au sud. Donc il va y avoir une période, en tout cas dans l'année, où vous ne pourrez pas prier en fonction de ces signes distinctifs parce qu'ils ne disparaissent pas. C'est-à-dire les lueurs rouges restent sur l'horizon. Et donc, pour eux, jusqu'à que cette période, ils vont prier normalement. Et lorsqu'ils seront dans cette période-là, et donc on va procéder à une méthode qu'on appelle taqdir, à l'estimation. Ensuite, on nous parle de Mantiqa Thalitha, donc au-dessus des 66. Et donc là, c'est encore plus problématique parce que il peut faire parfois 6 mois jour, 6 mois nuit. Et donc, l'accomplissement des prières sera basé sur une autre méthode. Donc, vous pouvez trouver, bien sûr, ce document, cette fatwa du Conseil, donc qui parle de ces trois mantiqa, et que dans la première, on a l'obligation de suivre les signes distinctifs. Donc, nous, à Lyon, selon ce que le Conseil dit, est-ce que le shara, le fiqh nous dit, nous n'avons pas le droit de procéder tant que cela ne conduit pas à une nécessité, ou bien à une haja, à un besoin qui nous met vraiment dans la difficulté, on n'a pas le droit d'utiliser le taqdir, c'est-à-dire l'estimation des temps de prière. Nous devons suivre les signes distinctifs. Donc pour la richa, la disparition des lueurs rouges, et pour le soubh, l'apparition des lueurs blanches, et c'est ce que dit le Conseil européen de la fatwa et des recherches. Donc cette fatwa est disponible, j'ai mis le lien ici, vous pouvez le consulter. Alors revenons maintenant pour la France. Donc ce que j'ai assuré, donc en noir, c'est cette zone entre 45 et 48 où les signes sont là, mais l'écart peut être important. Et en vert, donc ce qui est en dessous de Lyon, c'est que on peut appliquer durant toute l'année sans problème les alamettes, c'est-à-dire les signes distinctifs à partir des observations. Donc si on prend par exemple l'application des anciens, comme je vous avais dit tout à l'heure, le 18 degrés ou bien le 17 degrés, eh bien vous allez constater que Chartres, qui se trouve au sud, à la limite de Paris, donc à la limite du 48e parallèle, donc là j'ai mis la latitude 47,7. Donc, il fait partie des régions où les signes
sont présents toute l'année normalement, parce qu'on est en dessous des 48. Si je prends le crépuscule astronomique, donc le 18 degrés, donc le 21 juin, la journée la plus longue de l'année, vous allez voir que le Isha sera à 1h37 du matin et le Subh, le Isha sera à 1h37, ce sera le Isha, la disparition des lueurs rouges à 18 degrés, et le Subh sera à 2h13 du matin. Donc là aussi, vous pouvez aller sur les éphémérides et taper la ville de Chartres, taper le 18 degrés, et vous allez trouver ces résultats-là. Et donc, on voit que entre le Isha et le Subh, il y a à peine moins d'une heure. Et donc, appliquer la vision des savants du passé dans notre contexte, eh bien, ça va rendre la vie impossible. Qui va se réveiller à 1h du matin pour accomplir le Isha, ou qui va attendre jusqu'à 1h du matin, et qui va se réveiller à 2h du matin pour accomplir, pour faire son sahur. Et donc, comme c'est pratiquement très difficile à appliquer, et que surtout dans certaines régions, les halamat disparaissent, donc c'est pourquoi les savants contemporains ont repris cette question en main et de l'étudier à nouveau. Non pas parce que ils ont vu que ce que les anciens ont produit, c'était faux, c'est peut-être juste, je dis peut-être parce que nous, on n'a pas vu, mais bien sûr qu'on fait confiance à ce qu'eux disent, parce que c'était des grands savants, mais sauf qu'ils l'ont dit dans leur contexte. Ils ne l'ont pas dit pour les musulmans qui vivaient en Europe, ils l'ont dit pour les musulmans qui vivaient dans leur pays, et que le 18 degrés ne posait aucun problème, et à aucun moment donné, ils priaient à 1h du matin. Donc voilà la raison pour revoir cette question. Et donc là, vous voyez également le crépuscule en fonction des parallèles. Donc ça, c'est j'ai pris ce document de l'Observatoire de Paris. Ici où j'ai entouré en rouge, il y a le chiffre 1. Les autres chiffres indiquent la durée du crépuscule, pendant combien de temps il reste. Donc, plus vous montez en degrés, c'est-à-dire lorsque vous allez arriver à 50 degrés, eh bien, vous allez voir que à partir du mois de juin, donc à gauche, du 1er au 15 juin, pour une ville qui se trouverait à 50 degrés en latitude, eh bien, ces signes vont être absents. C'est-à-dire que les lueurs rouges, le shafaq al-ahmar, va toujours rester. Et donc, on ne pourrait pas attendre sa fin pour pouvoir prier le Isha. Donc, c'est pourquoi on va être contraint et obligé de faire taqdir, estimer le temps du Isha. Et par quoi on va l'estimer? Donc, là aussi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est il y a plusieurs méthodes. Est-ce qu'on va se baser sur la ville la plus proche où les signes distinctifs sont présents, ou bien est-ce qu'on va prendre la dernière prière que nous avons effectuée dans cette ville où les signes étaient présent et garder ce temps-là jusqu'à mi-juin ou non. Donc, il y a plusieurs procédés. Et donc, vous voyez, plus on avance, plus on arrive par exemple, aux 58 ou bien 60 degrés en latitude, et vous allez voir que les signes, on va dire, ne disparaissent pas à partir du mois de mai. Le mois de mai et ceci jusqu'au 15 août. Donc, plus vous montez, eh bien, plus à partir d'une période de l'été, eh bien, vous ne pouvez pas voir ces signes distinctifs pour pouvoir accomplir vos prières. Et donc, c'est la raison, donc je répète et j'insiste, c'est une des raisons qui a conduit les musulmans à revoir cette question en détail pour pouvoir l'appliquer dans le contexte en France et en Europe. Revenons maintenant à l'explication du Fajr. On a dit que il y a deux Fajr, donc le premier c'est le Fajr al-Awwal, ou le Fajr al-Kazib, et le deuxième c'est le Fajr al-Sani, le Fajr al-Sadiq. Alors si on regarde les photos ici, donc vous allez observer que le Fajr al-Kazib, c'est la photo qui se trouve à droite, donc il s'agit d'une lumière qu'on peut observer sur l'horizon, mais qui est plutôt verticale. Et le Fajr al-Sadiq, c'est celle qui est horizontale. Donc au début, donc ceux qui observent vont voir qu'il y a une lumière qui est plutôt verticale, et avec le temps, ceci va s'allonger.
Et lorsqu'Allah nous dit « Wakulu washrabu », le verset que j'ai récité tout à l'heure, donc « mangez et buvez » jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube, à partir de cet instant, observez une abstinence totale jusqu'à la tombée de la nuit. Donc Dieu nous dit, dès qu'il y a le fil blanc, le fil noir, donc ça veut dire une fois que c'est allongé sur l'horizon et qu'on voit du blanc à l'horizon au-dessus, c'est noir, donc c'est ça le fil blanc, du fil noir, du fajr. Et donc c'est le fajr as-sadiq, le fajr véridique qu'on prend en considération. Alors que le kadhib, l'image qui se trouve à droite, donc celle qui est plutôt verticale, n'est pas prise en considération ni pour le temps de la prière, ni pour la fin du sahur, pour prendre le repas le matin. Donc on peut lire le fajr sadiq véridique à gauche dans sa caractéristique et qu'il se répand en occupant l'horizon du côté de l'Orient, ce qui est voulu par le législateur, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la partie du ciel que l'on veut voir collée à la terre. La deuxième est le fajr al-kadhib, aube mensonger, qui a pour caractéristique de s'élever dans le ciel tel un pilier et ne s'étend pas à l'horizon. Dans le hadith, il est désigné comme la queue du loup. Donc, lorsque le prophète sallam il a voulu désigner ce fajr al-kadhib, il a parlé la queue du loup parce que c'est ça monte en vertical. Autre question que nous avons évoquée, est-ce que il y a une divergence? Est-ce qu'il y a eu des savants dans le passé? Donc on vient de présenter, on a dit que les savants nous disent que c'est à partir du fajr al-sadiq, le deuxième fajr, qu'on peut prier et qu'on doit arrêter de manger. Mais est-ce qu'il y a eu des savants qui ont dit qu'on peut continuer à manger après al-fajr al-sadiq? Effectivement, il y a des narrations des compagnons du prophète, en l'occurrence de Hudhayfa. Donc ici, comme vous pouvez voir, et j'ai noté que c'est une narration qui est pour certains savants abrogée, donc on ne peut pas le prendre en considération. Où Hudhayfa, radiallahu anhu, il est parti chez un compagnon et qu'ils ont continué à manger et à tel point presque ils disent que le soleil allait se lever. Donc c'était bien après le fajr. Il y avait de la lumière dans les rues, etc. Mais le soleil n'était pas encore levé. Et lorsqu'on lui dit, mais est-ce que tu faisais ça aussi avec le prophète? Il dit, Hakadha fa'ala bi Rasulillah. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi faisait comme ça. Et donc il lui dit, donc il était un peu étonné de sa réponse, il dit Ba'da subh, est-ce qu'il a mangé et bu après subh, après que le fajr était bien, vraiment visible? Il lui dit Ba'da subh, oui, après subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait, غير أن الشمس لم تطلع, sauf que le soleil n'est pas encore levé. Donc à partir de ce hadith, on voit qu'ils ont bien mangé et bu après le fajr. Mais cette narration donc, n'est pas prise en considération, comme il le dit dans Tahawi, dans Sharh Ma'an al-Athar, qu'il aurait été abrogé lorsqu'Allah il a révélé justement le verset. « Wakulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr » Lorsqu'Allah il a révélé ce passage de Surah al-Baqarah, eh bien, cette application a été abrogée. Également, le grand savant malikite Ibn Abd al-Barr, c'est ce qu'il dit. Donc il rapporte également le hadith de Bilal. Il dit Inna Bilal yu'azzin bilaylin fakulu washrabu hatta yu'azzina ibn Maktoum. Et il dit que il y a pratiquement consensus sur cet avis qu'on ne peut pas justement continuer à manger et boire après le fajr. Et ce qui a été rapporté bon, par Hudhayfa ou bien par A'mash, ce sont des riwayats, des narrations qui sont chazes, qui sont marginales, qui ne sont pas pris en considération par les fouqa. Et donc, on est d'accord et unanime pour dire que c'est à partir du fajr al-sadiq que se trouve la limite pour manger et boire, et c'est la limite pour commencer la prière du fajr. Alors, que prendre en considération dans le fajr? Alors ici, je voudrais aussi rapporter une petite précision. Lorsque Dieu nous a dit de manger, de boire jusqu'à l'apparition du fil blanc, du fil noir, s'agit-il d'une apparition en soi ou bien doit-il être visible pour moi pour que je la prenne en considération? Et donc ça, c'est très important pour celui et celle qui veut comprendre la méthodologie et qui a été suivie donc, pour élaborer ce calendrier.
Si vous remarquez, donc ceux qui connaissent, Allah, lorsqu'il nous parle des autres prières, il dit « Aqimis salata lidouluki shamsi ila ghasaqi al-layl » Lorsqu'on parle des temps de prière, Dieu nous parle des « asbab », c'est-à-dire il faut un « sabab » pour pouvoir prier. Le « sabab » pour prier « salat al-duhur » c'est « duluki shams ». Dès que le soleil va s'incliner, ça sera le début. Et donc, toute chose, ça peut être un appareil, ça peut être l'informatique, donc tout ce que vous voulez qui nous apporte une information sûre, qui nous permet de déterminer que le soleil s'est incliné, et donc on va dire que c'est le début du dhuhr. Mais est-ce que pour le fajr, est-ce qu'on applique la même chose? C'est-à-dire, si aujourd'hui, avec des appareils, j'arrive à voir sur l'horizon qu'il y a le fajr, donc je vois le fil blanc et du fil noir, cette distinction, mais que moi, à l'œil nu, je ne le vois pas. Est-ce qu'on applique le même hukm ou pas? Et donc là aussi, il y a des choses à dire. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Donc si vous allez dans le livre de Bidayat al-Mujtahid, il est ici justement. Donc on va juste lire pour comprendre cette distinction. Il dit والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير هو الجمهور والمعتمد اختلفوا في حد المحرم للأكل فقال قوم هو طلوع الفجر نفسه وقال قوم هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه إلى آخر إلى سويت. Donc il dit ceux qui sont mis d'accord pour dire que c'est le fil blanc du fil noir, donc c'est le début. Mais ils ont divergé entre eux en disant, s'agit-il du fajr en soi, c'est-à-dire que moi je ne le vois pas mais qu'il s'est réalisé? Est-ce que c'est ça qu'on prend en considération? Donc si c'est ça, ça veut dire que de nos jours, tout appareil qui va nous déterminer, qui va nous affirmer que le fajr est présent, même si je ne le vois pas, donc je prends en considération. Alors que d'autres ont dit non, c'est al-nazir, parce que Dieu il a dit dans ce passage, yatabayyana lakum. Alors que dans salat, pour le salat al-duhur, il n'a pas dit lakum, il a dit aqim salat li duluki shams, lorsque le soleil sera incliné. Mais là, il dit il est visible pour vous. Donc, ça veut dire que dans ce passage, Dieu s'adresse à nous. Donc, c'est pourquoi Ibn Rushd nous relate cette information qui est importante. Il dit est-ce qu'on prend en considération le fajr en soi ou bien c'est lui qui l'observe? Et donc ceux qui font, je rebondis un peu sur ce que disent les astrophysiciens, eux ils disent également que c'est à partir de 18 degrés, mais qu'aujourd'hui, que si une personne fait des observations à l'œil nu, il va avoir vraiment du mal à voir 18 degrés. Pour pouvoir le voir, donc il faut avoir des appareils qui va détecter la lumière. Mais est-ce que c'est ça qui est voulu? Ou bien est-ce que c'est ça ma vision à moi? Parce que si on prend l'exemple de Bilal radiallahu anhu, si on dit que on doit prendre en considération le fajr en soi, et donc ça veut dire que ce que les appareils vont déterminer, et donc on devrait prendre en considération, même si lorsque moi je regarde, je vois que du noir. Alors si on dit ça, ça peut poser un problème au niveau du shara, parce que Bilal radiallahu anhu, ce qu'il a vu, ça a été pris en considération par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est devenu une norme pour nous. Et donc, si on amenait des appareils à l'époque de Bilal, peut-être on aurait pu dire à Bilal que le fajr était déjà présent avant ta vision. Que 10 minutes, 15 minutes avant, c'était déjà présent. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on étudie cette question, avant d'apporter les arguments astronomiques, donc, il faut tout d'abord se poser sur les questions sur le texte. Que veut dire « yatabayyana lakum » Est-ce que, comme dit Ibn Rushd, est-ce que c'est « l'innazir » ou bien « tulu' al-fajr nafsuhu » Donc, ça, c'est très important pour répondre à cette question-là. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, ceux qui font des observations n'arrivent pas à voir à l'œil nu les 18 degrés. Et donc, nous, notre travail… Après en considération donc la vision à l'œil nu. On se dit si le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal, ce qu'il a fait a été pris en considération par la shara et c'est devenu une norme, donc pourquoi on devrait changer la procédure et exiger que toute autre chose dont l'œil n'arrive pas à percevoir
que ça sera pris en considération. C'est-à-dire que ça soit des appareils ou bien autre chose qui nous permet de le détecter. Donc voilà, donc nous, la position que nous avons suivie, c'était la vision et à l'œil nu. Bien sûr que lorsqu'on fait une vision, il y a des critères. Ça aussi, on le sait très bien. C'est-à-dire, il faut que il n'y a pas trop de lumière. Il faut que ça soit plutôt obscur, pas de lumière de la ville, pour pas que ça influence la vision. Mais là aussi également, dire qu'il faut venir des heures en avance pour que la rétine soit habituée à pouvoir voir les lumières. Est-ce que le Shahr nous a imposé ceci? Est-ce que Bilal s'est réveillé à 2 heures plutôt que le Fajr et attendu pour que sa rétine s'habitue pour faire le Fajr? Donc ça aussi, au niveau de Shahr, on le retrouve pas, même si cet avis est pertinent. Je ne dis pas qu'il est erroné, qu'on doit pas négliger, mais l'imposer, l'imposer, il faudrait des arguments juridiques pour pouvoir la justifier. Donc on était au Fajr, et que prendre en considération dans le Fajr? Donc une fois qu'on a dit qu'il y avait 2 Fajr et qu'on prend en considération le deuxième, qui est le Fajr qui s'étend sur l'horizon, donc on voit une lumière blanche, des lueurs blanches, et au-dessus c'est noir. Mais est-ce que ce temps-là, est-ce que c'est à la minute près, ou bien y a-t-il une largesse? Eh bien, il y a un hadith qui nous intéresse dans Abu Daoud et qui se trouve également dans Tirmidhi, où on nous dit « Fakulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar ». Dieu nous parle du fil blanc et le hadith du prophète sallam nous parle du rouge, en sachant que le rouge vient après le blanc. Donc là, on parle du Fajr. Une personne qui va observer, il va voir dans un premier temps donc le Fajr al-Kadhib, le faux. Ensuite, il va voir le vrai, celui qui s'étend. Quand il va attendre encore un peu, en dessous du blanc, il va commencer à voir du rouge. Et donc là, ça veut dire que le soleil va bientôt se lever. Donc on s'approche du lever du soleil. Donc là, comme le hadith du prophète sallam nous parle du rouge, et donc cela veut dire que ça peut pas être 18. Donc ça veut dire que ça sera beaucoup moins. Sauf qu'il faut être vigilant lorsqu'on prend un hadith. Tout d'abord, faut le comprendre avec les autres textes, en l'occurrence le Coran Karim et les commentaires du hadith. Et les savants nous disent que ici, lorsqu'il nous parle du rouge, en réalité, il nous parle de la fin du blanc, et non pas du rouge en lui-même. Donc, ce que rapporte Al-Aini, le grand commentateur d'Al-Bukhari, également Al-Khattabi, donc tous ces savants, lorsqu'ils nous parlent de ceci, donc je l'ai également mis ici, parce que les Arabes, parfois, ils exprimaient le rouge pour exprimer, ils utilisaient le terme rouge pour exprimer le blanc. مثلاً تقول إمرأة حمراء أي بيضاء أي بيضاء. Quand le professeur me dit j'ai été envoyé pour le hamra, pour l'aswad, pour l'arabe, j'ai été envoyé donc pour l'humanité, pour le blanc, pour le noir. Et lorsqu'il a dit, il a utilisé le rouge. Donc il y a pas de personne qui est rouge. Donc quand on dit hamra dans le sens les blancs, j'ai été envoyé pour les blancs, pour les noirs et pour l'humanité complète. Donc l'utilisation des termes en arabe, donc il faut comprendre la rhétorique et le majaz et tous les termes dans ce sens pour pouvoir comprendre est-ce que c'était réellement le rouge ou bien le blanc. Et donc le fait que ce hadith nous parle du rouge et que l'explication nous dit qu'il s'agit du blanc mais la fin du blanc, donc cela veut dire que certains fuqaha vont prendre en considération le début du fil blanc et d'autres vont prendre en considération que ce blanc soit vraiment apparent. Tant qu'il n'est pas réellement apparent, c'est pas encore le Fajr. Et donc là, ça veut dire que lorsqu'on discute des temps de prière, donc on peut pas être à la minute près. Même celui qui observe, si vous partez à 2, 3, 4, ce que chacun va observer, eh bien, il va toujours avoir des divergences de quelques minutes. Donc, les personnes qui ont fait l'expérience, parfois, ils arrivent à des divergences qui peuvent aller jusqu'à 12 minutes, alors qu'ils sont dans le même lieu, ils observent la même chose, mais parce que ma considération du fil blanc n'est pas peut-être la même que la tienne. Et donc, c'est pourquoi ça peut porter confusion. Donc là, je rapporte un petit passage de l'Araini encore une fois. Il dit « Al-khaytul abiyad huwa awwalu ma yabdu min al-fajr al-sadiq ». Donc pour lui, lorsque Dieu nous demande de stopper la nourriture et de commencer la prière, il s'agit des premières lueurs. Et donc lorsqu'on dit première lueur,
c'est vraiment les débuts. Donc, plus vous prenez le début, plus le degré sera important et plus vous dites que c'est pas forcément le début, mais ça peut aller jusqu'à la fin du blanc, jusqu'à l'apparition du rouge, mais avant le rouge, parce que personne aussi a dit que le fajr commence à partir du rouge. Et on est, ceux qui le disent, c'est un avis chaz, comme nous avons évoqué tout à l'heure, et que le hadith serait abrogé. Et donc, ça nous laisse quand même une petite marge dans la détermination du fajr. Donc, après avoir fait cette présentation sur le plan juridique, donc maintenant, on va essayer de commenter ensemble les observations que nous avons réalisées. Et donc, on va commencer par le Salat al-Isha. Donc, observation, donc à chaque fois, il y a les dates. Donc, 2016, le 23 juin. On a essayé à chaque fois de prendre la journée la plus longue et de voir à quoi correspondait la vision en degrés. Et donc, on avait ceux qui prenaient le 12 degrés, donc le Richa, c'était à 23h09. Ceux qui prenaient le 15 degrés, c'était 23h36. Et ceux qui prennent le 18 degrés disent que c'était à minuit 15. Alors, nous, on a pu observer la disparition des lueurs rouges à partir de 23h23, et ce qui correspond donc à 14 degrés. Donc ici, il y a les photos. Donc, vous voyez, donc 22h56, 23h, 23h04, on voit toujours les lueurs rouges, donc c'est pas encore l'Arisha. 23h12, ensuite 23h15, vous voyez encore les lueurs rouges. À partir de 23h20, dans ce qui est en dessous, 23h20, il y a toujours des lueurs rouges, mais qui est, on va dire, la couleur change vers le marron. Donc, une altération de la couleur. Et à partir de 23h23, on commence à voir la disparition. Donc, à 23h25, vous voyez uniquement une petite lumière, mais qui n'est pas rouge, qui est plutôt blanc. Donc, ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa. Donc, pour Abu Hanifa, c'est pas encore pour le Isha, c'est pas encore l'heure du Isha. Donc, nous, on est resté sur l'avis de la majorité des savants. Et dernière photo, ici, vous allez voir, 23h28 et 23h35, donc pratiquement on ne voyait plus la lumière blanche. Et donc dire qu'à 23h35 il y a toujours les lueurs rouges, en tout cas à l'œil nu, c'était pas visible. Et donc c'est pourquoi notre première observation correspond à 14 degrés. Nous sommes en 2018, donc 2 ans après, pratiquement à la même période, le 26 juin. Donc on a réalisé pendant 3 années de suite à propos à la même période, on est toujours tombé à la minute près concernant la disparition des lueurs rouges. Donc pareil, donc on est à peu près dans les mêmes horaires que tout à l'heure. Donc là aussi, on voit la disparition des lueurs rouges à partir de 23h23. Donc à 23h07, 23h15, vous voyez toujours les lueurs rouges présent sur l'horizon, donc on ne peut pas dire que c'est encore l'Arisha. Et juste une petite précision pour avant de passer aux autres photos. Est-ce que lorsque les couleurs commencent à changer, lorsqu'on commence à passer du rouge au marron, parce que ceux qui vont observer vont voir que la disparition du rouge ne se fait pas d'un coup. Donc ça, la couleur commence à changer, commence à passer au marron et donc il va rester des lueurs blanches. Pour les Shafi'ites, donc il y a divergence sur cet avis, mais l'avis qui a été retenu et qui est mentionné dans le Oum, et que même Shafi'i lui dit, on va dire tout rougeâtre, toute couleur qui tend vers le rouge, toute couleur qui tend vers le rouge doit être pris en considération comme étant du rouge. Et donc s'il prie et qu'il reste une partie du rouge, et même Shafi'i il dit qu'il devrait refaire sa prière. Et donc on a attendu pour essayer de voir au maximum quel serait le temps où on voit que le rouge disparaît complètement. Donc c'est pourquoi on a même pris des photos à 23h35 comme vous venez de voir, où on voit plus le rouge et pratiquement plus le blanc également. Donc 2019, donc on a vu 2016, 2018, 2019, le 17 janvier, donc on a eu le 26 juin, 23 juin, et là le 17 juin,
Donc, on est à peu près toujours dans les mêmes horaires. Et donc, là aussi, on a vu la disparition à partir de 23h20. Donc, vous pouvez voir à partir des photos, 23h08, on voit le Shafaq al-Ahmar. 23h12, on le voit également encore. 23h17, on le voit encore. Et à partir de 23h18, là, comme sur la photo à droite, on commence à voir la disparition. Donc, ceux qui étaient présents avec nous, on est à peu près 4-5 frères, ont tous témoigné qu'à partir de 18, donc entre 18 et on va dire 23h21-22, c'est voilà, ça peut varier entre les personnes. Certains vont voir encore du rouge, d'autres ne vont pas voir. Mais en tout cas, à partir de on va dire 5 minutes après ce temps qui est mentionné ici, il n'y avait pratiquement plus de rouge. On a également réalisé des observations en dehors de la période estivale, donc au mois d'avril. Donc, ces trois observations qui sont dans des années différentes, on retombe à chaque fois sur le même résultat et à peu près sur 14 degrés. Une observation qui a été réalisée au mois d'avril, donc une période qui fait moins chaud, l'observation correspondait à 13 degrés. Donc, on voit que lorsque vous changez de période ou bien de mois, il peut avoir une variation. Tout d'abord parce que l'endroit où se couche le soleil n'est plus au même endroit que vous avez observé en été, et que là, on va dire, les caractéristiques atmosphériques peuvent également influencer votre observation. Mais en tout cas, dans toutes les observations, on a fait en sorte que le ciel soit dégagé. Et comme vous pouvez voir dans les photos juste avant, on se trouve à l'opposé de la ville, même s'il y a quelques lumières qui peuvent influencer, mais la ville se trouve derrière nous. Donc, ça nous facilite un peu plus dans l'observation. Donc, on a dit le 21 avril, on tombe sur un résultat de 13 degrés. Le 25 mai, en 2017, on tombe sur 14 degrés. Donc, on a vu la disparition des lueurs à 23 heures. Donc, on peut montrer les photos également. Donc, 22h28, on voit le rouge clairement. 22h39, on le voit également. 43, 48, on voit encore. 54, ça commence à disparaître, mais on voit encore une partie des lueurs rouges, comme vous pouvez l'observer. Et ensuite, les dernières photos, à partir de 23h04 et 23h09, comme vous pouvez voir ici, on voit pratiquement plus rien. Donc, on a à partir de 23h, on ne voyait plus les lueurs rouges, et 10 minutes après, pratiquement plus les lueurs blanches. Et c'est ce qui correspond aux 14 degrés environ. Une fois qu'on a vu maintenant le Isha, je vais passer au Fajr. Et donc là, les observations changent de lieu. Nous sommes plus au Mantou, donc en altitude, mais nous sommes à Miribel. Et donc, il n'y aura pas besoin de réduire des minutes si on devrait l'appliquer à la ville de Lyon. Donc là aussi, une observation qui a été réalisée au mois de juillet, le 10 juillet exactement en 2016, on a vu l'apparition. Donc c'est pas la disparition des lueurs blanches, c'est l'apparition. Une petite erreur ici. L'apparition des lueurs blanches à partir de 4h15. Donc là, si on fait une comparaison, selon le crépuscule astronomique, le Fajr devrait commencer à 3h30 du matin, alors que nous, on a commencé à voir les lueurs blanches à partir de 4h15. Donc, ça fait à peu près 45 minutes plus tard. Donc, là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. Il se peut que si on vient avec un appareil, il peut détecter des lumières que moi, je ne vois pas. Mais est-ce que, Sharan, est-ce que je suis dans l'obligation de suivre ce que l'appareil voit? Et donc, j'ai répondu à cette question concernant l'application à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas d'exigence au niveau des textes, et surtout ce que dans Ibn Rushd nous rapportait dans Bitel Mushtahid, lorsque Dieu lui est abayé de la koum, est-ce que ici le sabab s'applique comme pour les autres prières, ou bien c'est comme pour la vision de la lune? Je l'ai vu, je commence à jeûner, je ne l'ai pas vu, donc je jeûne pas. Donc, où se trouve la raison d'être? Donc là, il a évoqué qu'il y avait deux approches différentes. Donc, selon le 12 degrés, 4h26, 15 degrés, 4h07, et nous, on a commencé à voir l'apparition des lueurs blanches à partir de 4h15.
et les photos sont ici, donc ça correspond aux 14 degrés. Et à chaque fois qu'on fait des absorptions, on mentionne également l'humidité, parce que l'humidité peut influencer également les observations. Donc là, 4h15, et donc si vous regardez bien, vous allez observer que dans l'horizon, que c'est clair, on voit une lumière blanche qui est tendue. Ensuite, 4h16, on la voit. 4h21, on la voit très facilement, elle est même épaisse. Et à partir de 4h24, vous voyez, il y a le blanc et en dessous, il y a le rouge. Donc, ça veut dire qu'on est sorti du Fajr. On a expliqué ceci juste auparavant. Et donc, attendre jusqu'à 4h24 ne correspond plus à l'avis majoritaire des savants qui définissent le Fajr. Et donc, c'est pourquoi, comme j'avais évoqué tout à l'heure, si on parle vraiment du début du Fajr, il se peut que c'est même peut-être un peu avant 4h15. Mais en tout cas, à l'œil nu, c'est très difficile de le voir. Et ensuite, 4h27, on voit facilement l'apparition des lueurs rouges. Ça correspondait à une vision du Fajr. 2016, deuxième observation, on est toujours à Miribel, on est toujours à altitude de 200 mètres. Selon le 12 degrés, le Fajr sera 5h23, selon le 15 degrés, 5h10, selon le 18 degrés, 4h47, et notre observation, 5h09. Donc là aussi, c'est pas disparition des lueurs blanches, c'est apparition. Donc c'est une faute de frappe. Donc à partir de 5h09, on a commencé à observer l'apparition des lueurs blanches et ça correspond à 15 degrés. Donc tout à l'heure, ça correspondait aux 14 degrés et là 15. Donc ça veut dire que les conditions ce jour-là étaient meilleures que les conditions de la dernière fois. Donc le 17 août 2016 et lorsqu'on observe les photos, on voit que à partir de 5h09, comme vous voyez ici, on voit déjà les lueurs blanches. Donc 5h09, 5h12, les lueurs blanches sont présentes. Et si on continue, donc là j'ai pris que ces photos. Et donc on a dit à partir de 5h09, effectivement à partir de 5h09 ici, on voit le Fajr allongé. Autre observation encore concernant le Fajr, mois d'avril, le 22 avril 2017, selon le 12 degrés, le Fajr sera à 5h27, selon le 15, 5h10, selon le 18 degrés, 4h49. Et nous, notre observation correspond à 5h14 et qui correspond à 14,5 degrés. Donc, on a eu 14, on a eu 15, on a eu 14,5. Et donc là, si je prends à 5h04, vous voyez, selon le 15 degrés et selon le 18 degrés, normalement, on devrait dire que le fil blanc est déjà présent. Or, nous, à l'œil nu, à 5h04, la photo qui a été prise et les personnes qui étaient présentes avec moi ne voyaient rien. Donc, on ne voyait aucune lumière. À partir de 5h16, donc on a été obligé d'attendre pratiquement 10 minutes pour pouvoir commencer à voir les lumières. Et donc là, vous voyez, à 5h16, on commence à voir une lumière qui est même assez épaisse, on va dire, sur l'horizon. Mais à l'œil nu, avec attention, à partir de 5h14, dans cette zone-là, on a commencé à observer. Et si vous attendez encore 10 minutes, donc à 5h24, vous allez voir qu'on voit le Fajr vraiment étendu, plus une partie de lumière rouge qui se trouve en dessous. Donc, ça veut dire que le Fajr a déjà débuté il y a bien longtemps. Donc voilà, et on peut encore relater une dernière observation. Donc la date, c'est le 26 mai 2017. Et là aussi, on tombe à peu près sur 14,8. Donc observation des premières lueurs blanches à partir de 4h08. Donc là, vous voyez, à 4h01, on ne voit rien. À 4h05, on ne voit rien. À 4h08, même dans la photo, on a vraiment du mal à voir. Mais lorsque, si vous êtes présent, parce que parfois les photos ne correspondent pas à 100% à la réalité. Et on a fait en sorte, lorsqu'on prenait les photos, parce que si vous rajoutez de la lumière dans votre appareil,
eh bien, il va détecter des lumières que vous ne voyez pas. Donc, on a fait en sorte que les photos correspondent au maximum à la vision humaine. La lumière n'a pas été augmentée. Et donc, à partir de 4h08, donc là aussi 4h13, on commence à voir les lumières blanches. Et surtout à 4h18, donc on le voit facilement ici. Et surtout à 4h23, on voit déjà une partie des lueurs rouges. Et donc, comme vous voyez ici, dans le tableau, donc on est à partir de 4h08, et c'est ce qui correspond à peu près à 14,8 degrés. Est-ce que j'ai d'autres photos que je regarde assez rapidement? Et donc 4h26, 4h32, donc là, il n'y a rien à dire. Donc le Fajr est vraiment présent depuis très longtemps et qu'on voit même l'apparition des lueurs rouges sur l'horizon. Donc conclusion générale, lorsqu'on a fait les observations du Harisha, donc que ce soit sur plusieurs années et dans des périodes différentes de l'année, c'est plutôt le 14 degrés qui revient. Une fois, on est observé à 13 degrés. Et donc, comme on se trouvait en altitude, à 600 mètres d'altitude, c'est pourquoi le conseil des imams du Rhône a retenu 13,5. Et donc, cet écart de 0,5, c'est parce que elle est applicable à la ville. Donc, quand vous êtes en hauteur, donc, comme on a dit qu'il y a quelques minutes de différence, donc si on a vu à 14, donc il est fort probable qu'en ville, elle est visible à partir de 13,5. Et donc, c'est pourquoi pour les Rishas, 13,5 a été retenu. Et pour le Fajr, à travers les observations que je vous ai montrées, ça varie entre 14,5 et 15. Donc, dans la plupart des cas, c'était pratiquement jamais en dessous de 14. De ce qu'on a pu voir, jamais en dessous de 14. Donc, quand les conditions étaient meilleures, on s'approchait des 15. Quand elles étaient un peu moins bonnes, 14,5. Et donc, le conseil également a retenu 14,5. Ce que je vais rajouter, c'est simplement un conseil qui ne lie pas forcément la décision du CTIR, des conseils des imams du Rhône. Comme il s'agit des observations à l'œil nu, donc si on veut agir un peu avec précaution, surtout que cette année, donc beaucoup d'entre nous seront confinés, donc on ne va pas prier à la mosquée, donc on n'aura pas la contrainte des horaires imposés par la mosquée. Donc c'est lui qui veut avoir sa qana'a, qui veut avoir la conscience plus tranquille, rien ne lui empêche d'arrêter de manger un peu plus tôt de ce qu'on a pu déterminer. Donc si une personne décide d'arrêter à 16 degrés et ensuite d'attendre 10 minutes, un quart d'heure pour la prière, on va dire ihtiyatan, c'est encore mieux. Comme ça, il aurait, inchallah, préservé davantage son jeûne. Et pour la Risha, pareil. Donc, s'il veut rajouter encore quelques minutes, parce qu'on n'est plus dans la période estivale maintenant, nous sommes au mois d'avril, bientôt au mois de mai, et donc rien ne l'empêche d'attendre quelques minutes pour le temps du Risha, donc qui s'appelle 14,5. Et ça, ce sont des temps de précaution. Donc, voilà. De manière générale, j'ai essayé d'être le plus simple possible, de ne pas trop rentrer dans les détails. C'était pas ça l'objectif. Et l'objectif, c'était d'exposer quelle a été la méthodologie pour adopter ce calendrier. Et donc, c'est un travail qui s'est essentiellement basé sur la vision. C'est à partir de ces visions-là que nous avons essayé de déterminer l'angle qui correspond au Shafaq Ahmar ou au Shafaq Abiyad. Donc, crépuscule blanc pour le Fajr et crépuscule rouge pour le Risha. Donc, encore une fois, je le dis, donc cette vidéo n'a pas pour objectif de troubler les musulmans, mais simplement de vous expliquer comment les imams du Rhône ont-ils abouti à ce résultat qui a été présenté, donc ce travail a été présenté et validé. Et donc, c'est pour que les musulmans qui vivent dans la région lyonnaise puissent accéder aux détails de cette recherche. Parce que lorsqu'on dit « voilà le calendrier », donc certains veulent savoir pourquoi ce calendrier et pas d'autres. Donc, la réponse se trouve dans cette vidéo. Et nous avons exposé les différentes photos, que ce soit du Harisha ou bien du Subh. Et donc, toute personne qui souhaiterait également
avoir ce travail, donc pourront bien sûr nous le réclamer, nous envoyer un message et on pourrait le mettre à disposition et de voir de plus près les images, ce qui a été relaté concernant les avis des savants musulmans, le tableau des anciens et ainsi de suite. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes un très bon mois du Ramadan. Donc, ne vous préoccupez pas de la divergence. Plutôt, restez dans la concentration, dans la ribada. Il y aura toujours des divergences sur ces choses-là. Donc, maintenant, il y a un travail. On a fait de ce qu'on a pu, le maximum qu'on a pu. On a pris cette responsabilité de partir faire des observations à votre place. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. J'ai simplement transmis de ce que j'ai pu voir. Nous, on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Si demain il y a d'autres recherches qui nous prouvent le contraire de ce qu'on a pu voir, ben, sans aucun problème, on pourrait adhérer du moment qu'il est justifié, qu'il est argumenté et scientifique. On ne détient pas la vérité absolue, mais on se base sur ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, donc forcément, est pris en considération dans notre dîn. Et surtout, restez concentrés dans vos adorations. Ne rentrez pas trop dans les polémiques et perdre votre temps. Je vous souhaite à vous tous encore une fois et à vous toutes un très bon mois de Ramadan. Qu'Allah accepte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.